Côte d'Ivoire, Maria Toukoné recrute deux cadres pro Gbagbo et pro Soro pour le RHDP. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. La ministre Maria Toukoné vient de recruter deux cadres pro Laurent Gbagbo et pro Guillaume Soro pour le compte du Rassemblement des Houphouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. En Côte d'Ivoire, le professeur titulaire de chimie, Ziaou Zaossé, anciennement membre influent du Front populaire ivoirien, FPI, depuis plus de 28 ans, puis coordonnateur régional du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PACI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, a rejoint officiellement le Rassemblement des Houphouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Quant à Tocambiré, cadre du GPS de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, il a signé son retour au sein du Parti des Houphouettistes. Cette nouvelle adhésion est le retour de ses fieles des régions de la Bagoué et du Bounkani, facilité par le professeur Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation et député maire de Boundiali, ont été actés le 8 juin 2023 au siège du RHDP à Cocody. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif, le ministre Cissé Bakongo. La finalité de toute action politique est d'obtenir le développement du pays dans la paix et la sécurité. J'observe objectivement que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de notre pays, la paix est une réalité indéniable et le développement, visible et palpable, est fortement en cours dans tous les domaines. Il est alors de notre devoir de l'accompagner, a indiqué l'ancien coordonnateur du PACI, pour qui la politique locale du député-maire de Boundiali a été un élément catalyseur de son adhésion au parti d'Alassane Ouattara. Un virement et un retour au parti houphouettiste salué par la ministre Maria Toukoné. Pour elle, le choix de la politique d'une Côte d'Ivoire solidaire du président de la République est un choix de raison, qui doit inspirer plus d'un. Selon elle, depuis l'accession à la magistrature suprême du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît un développement qui suscite l'admiration du monde entier. Après les avoir établis comme militants en leur offrant la bannière et les statuts et règlements du parti au pouvoir, le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a tenu à féliciter la ministre Maria Toukoné. Félicitations Madame la ministre. Votre engagement est en phase avec la ligne du parti. Tout militant devrait s'inspirer de votre exemple, c'est-à-dire aller partout, pour expliquer la politique du président Alassane Ouattara et convaincre les populations à nous rejoindre. Félicitations. Avant l'adhésion de ces cadres de l'opposition au RHDP, la ministre avait fait adhérer ou re-adhérer plusieurs autres, notamment Ouattara Guibessongui, maire de la commune de Kasséré, et Karim Fofana, cadre du PSI de Boundiali.